Bonjour, inciter les jeunes à s'investir dans la vie de leur commune, mais aussi les informer sur le rôle du maire et des conseillers municipaux, c'est la mission confiée à Robert Prodhomme et Pierre Clermont, deux membres passionnés de l'association des anciens maires et adjoints de Loire-Atlantique. Tous deux ont œuvré en tant qu'élus à Ancenis et Saint-Géréon pendant plus de 20 ans. Ils se rendent aujourd'hui dans les collèges à la rencontre des élèves, rencontre avec des collégiens de Saint-Joseph à Ancenis. On témoigne de ce qu'on a vécu en tant qu'élu dans une commune et on essaie de leur transmettre ce qu'on a vécu et pour que eux aussi, si vous voulez, un jour viendra peut-être, ils s'intéressent un petit peu aussi à cet aspect de la vie civique. Bon, et on veut surtout qu'ils posent des questions. Voilà, bon, c'est ça. Ont-ils des interrogations, des choses qui les sensibilisent un peu plus, ou les tracassent, ils voudraient savoir ceci, cela, comment se fait-il que... Bon, voilà. Et puis, on les oriente un petit peu, les questions. Nous, le rôle du maire, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il travaille tout seul dans sa commune? Est-ce qu'il a des commissions? Il a des adjoints? Il a ceci, et cela? Donc, je crois que aussi c'est à nous de faire en sorte que nous puissions les orienter vers telle ou telle question. C'est inattendu, des fois. C'est inattendu, oui, c'est vrai. Mais c'est trop rare, justement, oui, c'est inattendu, oui. Parce que c'est vrai que c'est ça qui est intéressant. Mmh. Et puis pour passionner leurs collègues, camarades et autres, c'est. Si le maire, voilà, c'est pas lui qui fait tous les mariages, un adjoint peut faire le mariage. Je pense que ça leur permet surtout de découvrir ce que fait concrètement un conseil municipal, quels sont les rôles des adjoints, et puis je pense que ça peut peut-être éventuellement susciter des vocations aussi. C'est passionnant. C'est passionnant parce que c'est ça. Hein. Malgré, bien sûr, on sait que. Mais ce qui est, c'est que les jeunes hésitent à s'investir. Il faut bien le reconnaître. Hein. C'est dommage parce que. On va dire qu'il faut de tout pour faire un monde, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si on ne s'intéresse pas à tout ce qui se vit autour de soi, donc même dans la communauté citoyenne, donc au niveau d'une commune, voire au-delà, bien, comment ça va se passer? Mais c'est quand même enrichissant pour la personne. Ça occasionne de multiples rencontres, de multiples partages avec d'autres aussi qui ont des responsabilités. C'est extraordinaire. Mais ce matin, il y a un prof qui nous a dit « Ah ben j'ai même appris quelque chose, moi ». Et rappelons que les élèves qu'ils souhaitent peuvent intégrer le conseil municipal des jeunes d'Ancenis dès l'âge de 12 ans.